Qu'est-ce que tu fabriques sur mon lit? Allez, allez, Cheryl. Qu'est-ce qu'une femme peut-elle bien vouloir sur le lit de son époux? Femme, je t'ai déjà dit que ce dont t'as besoin dans cette chambre, c'est déjà arrêté entre nous. Aucun oiseau blanc ne se mêle à un sale porc aussi répugnant comme toi. Quoi? Attends, tu m'accuses maintenant? Qui d'autre devrais-je accuser? Qui d'autre devrais-je me blâmer? Pourquoi fais-tu tout ça? Peux-tu me regarder droit dans les yeux et me dire que c'est entièrement de ma faute? Écoute, Cheryl, je l'ai fait pour toi. J'ai dépassé mes limites pour toi. Je l'ai fait pour que tu arrives au sommet de ta carrière. Mais au lieu de me remercier, tu te fâches et tu décides de m'accuser alors que c'est toi le véritable homme méchant. Allez, dégage juste de mon lit. Mon problème est le suivant. Les Chinois devraient simplement livrer ma marchandise. Cela fait plus de 30 jours, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Le fait d'avoir le cœur brisé par l'attente des produits importés qui m'a fait prendre la décision de ne plus faire que dans les produits importés. Je monte sur un produit fait maison. Je mets du Nigeria. J'en peux plus. Laisse-moi te dire, pour moi, tout ce qui m'importe, c'est mon business. Je me fiche de ce que l'économie dit. D'accord, je suis un homme d'affaires. Et je pense que chaque homme d'affaires devrait garder son entreprise à flot pour des gens impeccables ou des beaux voleurs. Donc alors, nos produits faits maison ne sont pas faits pour des gens impeccables. J'en sais rien pour les produits locaux. J'en sais rien. Tout ce que je veux, c'est de garder mon entreprise à flot. C'est tout. Oublie ça. Salut. Hey, Vivi. Bonjour, sois le bienvenu. Ah, merci, Vivi. Mon amour, le repas est prêt. Puis-je dresser la table? Ça tombe bien, mec. J'ai la dalle. Foutaise. Jim, retrouve-moi dehors. Je sors. Dis-moi, c'était quoi ça? Viviana, je vais lui parler. D'accord? Ok. Charles. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En fait, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Quoi? Écoute, ne prends pas ça mal. C'est pas comme si, tu vois, j'essaie de me mêler de tes problèmes de famille. Mais je n'ai pas vraiment apprécié la façon dont tu as parlé à ta femme tout à l'heure. Allez, mec, c'est de Viviane qu'il s'agit, tu comprends ça? Viviane est la seule responsable de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Viviane, que tu connais. Et maintenant, une honte. Elle n'est plus la femme vertueuse que j'ai épousée. Attends, t'es sérieux? Mon frère, parlons d'autre chose. Je suis pas intéressé par cette discussion. Non, mais écoute, tu peux pas me demander de parler d'autre chose. C'est de Viviane dont il s'agit ici. Ton épouse. Jim, écoute, une femme qui se déshonore ridiculise aussi son mari. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Attends, c'est grave à ce point? Mon frère, ouais. Est-ce que tu peux imaginer que je lui ai dit?
Elle est supposée juste. À présent, écoute-moi. C'est quoi ça? Si ses habits sont sales, je viendrai les collecter. Merci. Désolé, monsieur. Certains sont déjà prêts. Oui, il nous reste que trois. Oui, voilà. Viens. Ses habits. Il est venu récupérer ses habits. C'était quoi ça? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais connaissons Viviane. Allez. Viviane est une femme rare, une femme avec du respect, une femme vertueuse. Viviane ne ferait jamais une chose pareille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'étais aussi dans le même état le soir où elle me l'a avoué. Juste comme tu te sens en ce moment. Mais dans ce cas, pourquoi es-tu toujours avec elle? Je reste avec elle pour qu'elle continue de veiller sur mon fils. C'est pour cela. Charles, écoute, nous devons trouver un moyen d'arranger ça. Écoute, tu peux pas continuer à vivre comme ça. T'as toujours envie de boire cette bière? Bien, je voulais bien boire une bière, tu vois. Mais là, je suis plus vraiment d'humeur à boire. T'es sérieux? Mec, nous allons aller prendre cette bière maintenant. Foutaise. Sérieusement, Olivier, je ne comprends pas pourquoi ton père me traite de cette façon. Ton père me traite tellement mal. Malgré ça, il ne dit rien. J'ai essayé de lui parler, mais il ne veut pas. Il a dit que tu devrais me demander. Écoute, ton père est celui qui me traite mal et je ne sais pas ce que j'ai fait. Il a changé du jour au lendemain, juste comme ça, sans aucune bonne raison. Et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que tu devrais lui demander pourquoi il le fait. Écoute, Olivier, tu dois parler à ton père, ok? Je suis vraiment fatiguée de toutes ces accusations. Elles sont vraiment déplaisantes, je ne peux plus les supporter. J'en ai marre, j'en ai assez de tout ça, sérieusement. Ok. C'est d'accord, mon chéri. Merci. C'est d'accord, mon fils. Porte-toi bien. Maman t'aime aussi. D'accord, bye. Nous devons parler. On n'a rien à se dire. Ou bien, t'as envie de dire à notre fils que sa mère est une pute. Ha ha ha.
tiens. Ah, c'est bien comme ça. Ouais. Ah, entrez. Ah, salut. Salut. Ah, comment tu vas? Je vais bien, merci. Wow. Mmh. Mmh. S'il te plaît, assieds-toi. Wow. Très beau bureau. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment tu vas? Je me porte bien. Wow, t'es vraiment très belle. J'aime ta tenue. Merci. Tu n'es pas mal non plus. Veux-tu déjeuner avec moi? Bien sûr que oui. Je veux dire, j'adorerais déjeuner avec toi. Surtout que je suis très affamée. Ok? Ok. Ouais. Oh, j'ai besoin de... Je t'en prie. Après toi. C'est délicieux, pas vrai? Et je raffole tes poitrines. La quoi? Je voulais dire les poitrines de poulet. Pourquoi es-tu comme ça? Mais c'est vrai, j'aime vraiment les poitrines. J'aime vraiment les poitrines. Je sais, je t'ai suivi. Moi, j'aime les entrejambes. Oh mon Dieu, ça fait bizarre. C'est vraiment délicieux. Voudrais-tu qu'on revienne ici de temps à autre pour déjeuner? C'est vrai, bien ça? Bien sûr, chérie. Tu sais que je suis tout à toi. Oh. Toute la journée, tous les jours. Oh, regarde-toi. Viens là. Aime-toi. Oh mon Dieu. Tu peux te réveiller maintenant. Réveille-toi. D'accord. Charles, le grand Charles, mon pote. Tim, mon pote. Comment tu vas, mon frère? Comment tu vas? Je vais bien, mec. Oh. Je te présente la reine de mon cœur. Maureen. Hey, Maureen. Reese, mon tien à pont d'amis, Tim. Enchanté, oh. Maureen. Enchanté, Tim. Je n'arrive plus à fermer ma bouche. Pourquoi? Parce que tu es belle. Tu es élégante. Je pense que c'est suffisant. Merci pour le compliment. Ce n'est même pas assez. Tu sais pourquoi? Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu sourire de cette façon. Tu as la raison derrière ce sourire. Dis-lui. J'essaye. Elle est modeste. Tu dois lui dire. Dis-lui plus. Qu'il me dise quoi? Vas-y, dis-lui. Dis-lui quelque chose sur moi, pour qu'elle sache qui elle est. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux que je dise à cette belle dame. Mais, très bien. Tu vois, avec lui, tout ce que tu as à faire, c'est d'être prudente. Parce que, tu vois, c'est un homme très sensible. Je n'y comprends rien. C'est ce que je t'ai demandé de lui dire. Chérie, pépé. Je suis charitable. Je sais donner. Qu'est-ce que tu sais donner? S'il vous plaît, apportez-moi à manger. Seven, t'inquiète pas. S'il vous plaît, apportez-moi à manger. Thank you.
Ouais, Tunde. Oui, monsieur. Comment tu vas? Bien, monsieur. Très bien. Bienvenue, madame. Merci, bonjour. Okay. Mais c'est ça, à l'intérieur. Ok, monsieur. Ouais. Mon amour, bienvenue dans mon humble demeure. En fait, ceci est ma petite maison que je gère. Je l'aime bien. Vraiment? Elle est belle. Allons à l'intérieur. Bébé. Ouais? En fait, je veux dire, ta femme. Oh. Allez, ne fais pas attention. C'est pas un problème. Je t'assure, chérie. Je te dis qu'elle n'est pas un problème. Viens là. Viens. On y va. Mais bébé, tu sais que nous pouvons aller dans un hôtel, n'est-ce pas? On n'ira nulle part. Nous irons dans la salle de séjour, puis directement dans ma chambre. Et nous allons faire des cochonneries. T'aimes quand je fais des cochonneries, n'est-ce pas? Et t'es content que je te fasse des cochonneries. Puis-je servir ton repas? C'est quand la dernière fois que j'ai mangé ta nourriture empoisonnée? Hein? Mon bébé, viens là. Non, je ne réveille pas. C'est ta nourriture que je mangerai. Et j'espère que c'est pas dans cette chambre que tu pars. C'est ma chambre. Pourquoi? Est-ce que tu penses que je te demande ton avis? Hein? Si tu pars dans cette chambre, je te jure que je te ferai vivre en enfer. N'importe quoi. On aura, viens là. Ouais, je sais, je vais plutôt te conduire au paradis. Je ne peux pas te faire vivre en enfer. Je le fais juste au démon. Je t'ai posé une question, d'où viens-tu? Ça fait deux jours que t'es parti de cette maison, pas d'appel ni message. Écoute, ça doit s'arrêter car je ne peux plus continuer de supporter ça. Écoute-moi maintenant. Il est trop tôt. Pourquoi tu me déranges? Tu me comprends? Je... T'as perdu le droit de me dire quoi faire et comment vivre ma vie. Tu m'as compris? Foutesse, hors de mon chemin. Charles? Oui, mon pote. Je pense pas que ce que tu es en train de faire soit la meilleure chose à faire. Et chaque fois que je veux te parler de ça, écoute, ça me dérange vraiment. Pourquoi veux-tu qu'une autre femme joue le rôle de ton épouse alors que tu as Viviane? Tu sais, j'ai permis que Viviane
viennent rester chez moi à cause des raisons que moi seul connais. Quand j'en aurai fini avec elle, tu le sauras. Alors, avez-vous l'intention de divorcer légalement ou bien alors? T'en fais pas, elle demandera le divorce le moment venu. Je peux te l'assurer. J'espère que cette décision que tu es en train de prendre te conduira à la bigamie. Bigamie? Bigamie? Elle portera jamais plainte pour une idée stupide. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Jamais Viviane ne voudra que j'expose son sale côté. Hmm? Je pense que tu dois arrêter de voir le mal. Et c'est tout. Parlons d'autre chose. Oh, barman! Où est-ce qu'il est passé? J'ai besoin d'un autre verre. Ce mec, je sais pas de quoi il parle. T'as vu Charles?
As-tu vu Charles? Dis au mécanicien qu'il jette un coup d'œil à ça et qu'il vérifie le climatiseur. Ok. Tout d'abord qu'il vérifie le moteur et qu'il se rassure que tout fonctionne bien. Qu'il se rassure que ce climatisateur fonctionne. Je sais pas ce qu'il a touché à l'intérieur. Ok. Hein? D'accord. Faudra lui dire parce que si je trouve ça dans cet état, il n'aimera pas ce qui va lui arriver. Très bien. Bonjour Charles. Ah, désolé madame. Bonjour. Mon amour, j'ai besoin d'argent. Il me manque vraiment beaucoup de choses dont je n'ai pas. Et j'ai besoin d'argent pour en acheter. Excuse-moi, depuis quand je suis ton DAB? Ah, je suis maintenant ton distributeur automatique. Non, hein? Mon amour, s'il te plaît. Je croyais que tu savais comment gagner de l'argent par tes propres efforts. Mon amour. N'importe quoi. Oui, qui est là? Oh, monsieur Dim, bienvenue. Merci, je peux entrer? Oui. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Ça prend trop de temps. Je veux dire, ce n'était pas le plan. J'étais juste censée venir ici. Afin d'accomplir le plan et puis déguerpir. Où est Viviane? Je ne sais pas. Elle a dû sortir. Mais en fait, j'essaie de te dire que ça prend trop de temps. Je suis fatiguée. Je ne veux pas être ici. Écoute. Nous avons un plan solide. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous tenir à ce plan. C'est ce que tu ne fais que dire. Plan solide, c'est tout ce que tu ne fais que dire. Tout le temps que j'essaie d'en faire mention, tu réponds toujours, nous avons un plan solide. Ne vois-tu pas que tout ce plan machiavélique met trop de temps? Bébé, ce plan est solide. Et je t'assure, même si c'est la dernière chose que je dois faire, je ferai en sorte que Charles paye. Charles nous payera. Tout ce que tu dois faire, c'est d'être patiente. Et je te donnerai cette vie que tu as toujours voulu avoir. Mais pour ça, il faut que tu continues à faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire s'en tenir au plan. D'accord? C'est dur de prétendre être quelqu'un d'autre. Je le sais, je le sais. Allez bébé, viens là, fais-moi un bisou. Hein? Je suis fatiguée. Je sais. Rassure-toi, ça sera bientôt fini. Est-ce que tu ne fais que dire? Tu me manques tellement. Je vais être avec toi tout le temps. Je veux plus être ici. Je sais. Mais moi? Quoi? Il y a des choses que je veux que mon mari fasse pour moi. Mais je sais qu'il ne les fera pas. Mais à partir de maintenant, il doit les faire. Et tu feras en sorte qu'il les fasse. Sinon...
Que fait-on maintenant? Jim! Dis quelque chose. Nous allons suivre le plan. Tu ne vois donc pas ce qui se passe? Elle nous a vus. Et si elle en parlait à quelqu'un? Hein? Je ne veux pas aller en prison. Je n'ai pas signé pour ça. Je veux dire, je voulais juste me faire un peu d'argent, mais ne pas aller en prison. Je pense que nous devons tout arrêter. Nous devons vraiment tout arrêter, maintenant. La femme! Laisse tomber. Ne dis même pas ça. Ne pense même pas à laisser tomber ça. Sais-tu combien de temps j'ai mis à planifier tout ça? Écoute, Maureen, je suis désolé de t'avoir crié dessus, mais nous avons mis beaucoup de temps à planifier tout ça, et nous sommes si près que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tomber maintenant. Nous sommes si proches, nous sommes à un doigt d'obtenir ce que nous voulons, et nous pourrions vivre la vie que nous voulions. Je t'en prie, bébé. Suis le plan. Vivian. Vivian, ta nourriture est prête. Ton repas est servi, d'accord? Il ne doit pas savoir que tout le monde se parle. Bébé? Oui, oui. Oui, bébé. Viens ici. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne voudrais pas me répéter. Je ne veux aucune affinité entre toi et Viviane. Tu m'as compris? C'est ta rivale et ton ennemi. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui. Foutaise. Bébé. Bébé. Je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. Mais ce que j'essaie justement de te dire est... Je ne me sens pas à l'aise. Je me disais qu'on pouvait aller vivre ailleurs. Tu sors pour le travail et tu me laisses ici toute seule avec elle. Et je suis obligée de la supporter. J'ai compris. Je vais trouver une solution à cela. C'est bon. Mangeons. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis désolée, les affaires ne marchent pas bien. J'ai patienté durant 6 mois, mais les choses ne s'améliorent pas. Je suis désolée de devoir partir de cette façon. J'ai une famille et je dois m'en occuper. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Tout va bien. C'est bon.
Je te comprends. T'as vraiment supporté. T'as vraiment supporté. Et parmi tous les employés, t'es la dernière personne qui soit restée, donc je pense que t'as vraiment supporté. Je suis désolé de n'avoir pas payé ton salaire depuis plus de 6 mois maintenant. Je suis désolé. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis désolée. Dans quoi est-ce que je me suis foutu? Où est-ce que tu vas? Hein? Je sors. Dehors? Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Que veux-tu exactement de moi, Charles? Quoi? Tu veux que je m'assieds et regarde les murs comme toi sans rien faire? Pendant qu'il n'y a rien dans cette maison, il n'y a rien à manger. Rien ne va. Regarde autour de toi. Tout s'écroule. Mais bébé, j'essaie. Mais quoi? Tu n'essayes pas, c'est dur. Oh amour, c'est à moi que... Je sors pour trouver quelque chose. D'ailleurs, pourquoi je m'explique? Charles, cet homme ici dit... Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à mes coups de fil, monsieur Charles? Peu importe. Je suis ici pour vous informer des décisions de mon institution. Si vous ne remplissez pas vos devoirs, nous serons obligés de prendre des mesures drastiques contre vous. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je fais tout ce que je peux pour rembourser ma dette. Je suis en train de vendre tous mes biens. Et le reste, s'il vous plaît. Chérie, parle-lui, s'il te plaît. Chérie. Je vous ai prévenu. Bébé, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Oui, un instant. Qui est là? Oh. Es-tu au bon endroit? T'es sûr d'être au bon endroit? Oui. Chérie, c'est moi. Ton mari. C'est ton mari, Charles. S'il te plaît, entre, assieds-toi. Ah.
Alors, que puis-je faire pour toi? Bébé, je suis désolé. Bébé, je suis tellement désolé. J'ai caché ma fille. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te... Je ne voulais pas te traiter de cette façon, je le suis. Je suis désolé. S'il te plaît, pardon. Attends. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Après tout, ce que tu m'as fait vivre a fait de moi quelqu'un de meilleur. Je veux dire, je suis devenue une femme forte et meilleure maintenant. Je vis toujours dans cette maison. Tu ne m'as pas chassée, donc je suppose que j'ai des raisons de te pardonner. Donc ça va, tout va bien, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tout va bien. Je t'ai pardonné. Bébé, je veux vraiment qu'on se remette ensemble. Pour que toi et notre fils, nous soyons encore une famille. Je voudrais que nous soyons encore heureux. Je voudrais que nous reformions encore une famille dans notre maison. Tu vois, le voir descendre les escaliers, le voir regarder la télévision, faire tout ensemble. Attends. Donc, c'est de ça qu'il s'agit? Donc, tu veux que j'accepte que tu reviennes dans ma vie pour que tu puisses encore la gâcher, c'est ça? Bébé. Après tout ce que tu m'as fait subir? Ou alors t'as déjà oublié? Aussi vite? Ok, tu sais quoi? Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon chéri. Je vais bien. Maman, tu as l'air pâle. S'il te plaît, va à l'intérieur, je vais finir le reste. Non, chérie, ne t'en fais pas. Dès que nous aurons terminé avec ça, j'irai à l'intérieur me reposer, ok? Tout va bien. D'accord, maman. Monsieur Adam, votre proposition est juste ici devant moi. Oui, monsieur. Vous étiez supposé venir pour un entretien le 6 juillet. Oui, monsieur. Pour vous présenter devant la commission et défendre votre projet. Oui, exactement, monsieur. OK. Oui. Alors, ceci dit, nous allons donc vous attendre. OK? OK, monsieur. Monsieur, qu'en est-il de la partie où je dois remplir le formulaire? Ne vous en faites pas. Je vais me charger de ça pour vous. D'accord. Merci, monsieur. Encore merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Monsieur Adam. Merci, monsieur. Un grand merci. Encore merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. Maman, va te reposer. Olivier, je ne peux pas me reposer. Les clients doivent venir récupérer leurs vêtements demain matin. Et si on coupe le courant, c'est fini. Je dois finir et les ranger. D'accord. Puis, je vais me reposer.
Maman, maman, non! Félicitations, monsieur et Adam. Merci, monsieur. Vous êtes l'un des candidats présélectionnés pour le projet d'une telle ampleur. Merci, monsieur. Merci infiniment, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Ok, vous devez être ici lundi matin à 10h. Ok. Pour un briefing spécial pour tous les entrepreneurs en bâtiment, ok? Ok, ok, monsieur. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas disponible... Rassurez-vous que votre représentant soit là. Ah, monsieur, je serai là. Je serai là. D'accord. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci. Merci, monsieur. Mon amour. Bonjour, chérie. T'as l'air épuisé. Oh, bienvenue. Merci. Oh. Oh, j'ai marché de la rue Brigadier jusqu'à la rue Narva. Hein? Tout ce chemin? Oh. Oh non, chérie. Pourquoi? T'aurais dû me dire de te donner un peu d'argent quand tu sortais le matin. J'ai un peu d'argent qui aurait pu te servir pour le transport. Je voulais être sûre que vous aviez assez d'argent pour vous. Désolée. Oh, okay. Mes pieds. Ah, fiston. T'es supposé être à l'école. Qu'est-ce que tu fais à la maison? J'ai été renvoyé de l'école aujourd'hui. Ah! T'as été renvoyé de l'école? Mm-hmm. Encore? Oh. T'en fais pas. T'en fais pas, hein? T'en fais surtout pas. Ta pension sera payée. D'accord, hein? Papa. Je vais payer. Mon Dieu. Chérie, tu... Calme. Chérie, sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Parce qu'ils sont 6 partenaires forts qui compétissent dans ce projet et je ne sais pas comment. Et 3 d'entre eux sont des femmes. Et c'est ça le plus incroyable. Et ce, Monsieur Donald a cette manie de favoriser les femmes. Surtout quand il constate qu'elles sont vulnérables. Je ne sais pas quel est son problème et il devrait être professionnel dans ce qu'il fait. C'est le seul problème que j'ai avec lui. Hein? Je pense peut-être que je devrais engager une femme. Peut-être que je pourrais engager une femme qui pourra, tu vois, m'accompagner. Chérie, et si je le faisais? Pourquoi est-ce que je n'irais pas là-bas te représenter? Pourquoi dois-tu engager quelqu'un? Tu peux pas engager quelqu'un d'autre alors que je suis là. Laisse-moi le faire. Oui, laisse-moi aller te représenter. Tu viens toi-même de dire que ce monsieur aime favoriser les femmes et qu'il pense qu'elles devraient aussi avoir des postes de responsabilité dans la société. Surtout quand il sait qu'elles sont désavantagées. Pourquoi est-ce qu'on discute? Laisse-moi partir là-bas et plaider notre cause. Je le ferai tellement bien qu'il n'aura pas d'autre choix que de nous aider. C'est ce que je dois faire. Tu ne dois pas engager quelqu'un. Je suis là. Viens là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chérie, j'ai pas pensé à ça, je suis sûr. Pourtant, j'ai une très belle femme. Et...
T'as oublié que t'as une femme intelligente? Merci, mon amour. C'est censé être dans 2 jours, donc je vais te donner les informations dont tu auras besoin. Oui, oui. Pour que tu puisses bien plaider notre cause. Oh, mais ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Tiens alors. En espérant qu'ils disent « Ok, je vais t'aider. » Et ça nous aidera. Oui, Roselyne. S'il te plaît, fais entrer la dame à qui j'ai demandé de patienter. Et s'il te plaît, ne laisse personne venir me voir. Je suis sorti, ok? Bien. Merci. Hey, salut, Viviane. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Assieds-toi, je t'en prie. Sens-toi à l'aise. Merci, monsieur. Alors, comment est-ce que tu te portes? Je vais bien, monsieur. Je suis désolé de t'avoir demandé de patienter, ok? Parce que je devais répondre à quelques paperasses officielles. Pas de problème, monsieur. Bien. Alors, Viviane, en fait, vu les choses, je vais être clair avec toi. Mm-hmm. Et, oui, tu feras ton choix, tu prendras une décision. Ce projet est de 500 millions de naira. Mm. Ok. Et si tu joues le jeu, le contrat sera ton mari. Mm. Ok. D'accord, monsieur. Pas seulement ça. Ce contrat est valable. Durant 5 ans. Oh. Et si tu joues le jeu, je peux le renouveler. Toute chose commence ici et finit ici. Alors, voici le marché. Je te donne le contrat et tu te donnes à moi. Viviane, tu peux le faire pour ta famille. Vous serez des milliardaires. Si seulement tu acceptais de me donner 5 minutes ici. Et maintenant, et le contrat est à vous. 5 ans. Et puis je le renouvelle pour toi. Bébé, oui. Mon premier salaire. Mon premier salaire. 500 millions de naira. Hey, 500 millions de naira. 500 millions de naira. Hey! Mon premier salaire! Oh! Oh! Seigneur! 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 Merci, mon Dieu! Seigneur! Seigneur! Est-ce que c'est moi? 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 Merci! Est-ce que c'est moi? Merci, mon Dieu! 500 millions! 500 millions de naira! Comment? Merci, mon Dieu! Merci! Mon fils! Merci. Mon fils! Dis-moi, où tu veux fréquenter? N'importe où dans le monde! Fais seulement ton choix! Fais juste ton choix! Dis-moi! En Amérique? Tu veux fréquenter en Amérique? Tu vas fréquenter en Amérique. Notre fils va fréquenter en Amérique. Tu feras le secondaire, l'université, ton master, tout ça. Wow. Tu vivras maintenant en Amérique. Et à moi, tu ne vas pas me demander où je vais aller? Ou ce que je veux devenir? Bébé? Ou bien quelle est la voiture que je veux? Bébé. Je blague. À cause de la souffrance que tu as traversée, c'est assez. Tu as assez souffert. Tu ne travailleras plus jamais. Oh. Je te donnerai de l'argent chaque mois en dollars. C'est la promesse que je te fais. Tu vas rester à la maison pour mieux prendre soin de moi. Mmh. Dis-moi juste combien tu veux que je te donne par mois et tu l'auras en dollars. Je te promets que nous ne serons plus jamais pauvres. Ah. Plus jamais. Jamais, jamais nous ne connaîtrons plus la pauvreté. Nous resterons riches pour le restant de notre vie. C'est un contrat de 25 années. Et ce n'est juste que la première tranche. C'est juste un argent pour commencer notre vie. C'est juste pour un début. Hey. T'es content? Donc tu me paieras en dollars chaque mois? Oh.
Non. Mon amour, bonjour. Bébé, c'est quoi le souci? D'abord, arrête de me toucher. Arrête, ne me touche pas. Quoi? Qu'ai-je fait? C'est quoi le problème? As-tu couché avec Donald? As-tu couché avec Donald? Oui, je l'ai fait pour toi. Oui? Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai fait pour nous. Tu l'as fait pourquoi? Honnêtement, j'aurais voulu qu'il y ait un autre nom pour ça. As-tu perdu la tête? À quoi est-ce que tu pensais? À quoi est-ce que tu pensais? Tu l'as fait pour nous, tu l'as fait pour notre famille. Je n'arrive pas à comprendre. Une femme se lève le matin dans le but d'aller se faire déshonorer. Et elle dit qu'elle a fait ça pour sa famille. Mais quelles sont ces foutaises, ça? Pourquoi t'as fait une telle chose? Pourquoi diable t'as fait une telle chose? Ton t'a écarté tes jambes juste parce que tu voulais de l'argent. Pourquoi? Non. Ce n'est pas pour ça. Je l'ai fait pour notre famille, et puis tu ne faisais que te plaindre, et t'étais toujours malheureux et triste, alors je me suis dit que je devais le faire. Non. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle tu l'as fait. Je comprends maintenant pourquoi tu as dit que tu voulais le faire. Je comprends pourquoi tu voulais que je sois pas là. Pour me représenter, me représenter. C'est pour cela que je voulais me représenter, n'est-ce pas? Non. Faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec toi. Ton entrejambe te dérangeait à ce point. Est-ce que je ne te satisfais pas assez? Viviane, je t'ai énormément aimé. Viviane, je t'ai aimé au détriment de tout ce que j'avais. Non. Notre fils. Non, notre famille. Tu n'as jamais pensé à ça. T'as pas pensé à ça avant d'aller écarter tes jambes. T'es sale, tu me dégoûtes. Non. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. N'ose même plus jamais me toucher. Oh mon Dieu. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu l'as fait pour nous sauver. Et non pour le plaisir ou quoi que ce soit. Je ne le connais même pas. Si je le vois, je ne le reconnaîtrai même pas. Notre fils n'allait pas à l'école. Il mangeait à peine. Il mangeait une fois par jour. Tu passais ton temps monter, descendre pour trouver du travail. Je décidais de t'aider, mais tu utilises ça contre moi. Comment peux-tu faire ça? Je l'ai fait pour toi. Pourquoi ne veux-tu pas le comprendre? Pourquoi? Tu t'écoutes parler. T'écoutes à quel point t'es stupide. Oh, à quel point tu es stupide. La femme. Oh non. La femme que j'ai épousée. Que j'ai épousée par amour. Tu t'écoutes parler. Tu as osé coucher avec quelqu'un. Parce que tu voulais avoir de l'argent. Ou bien, peu importe ce que c'est pour la famille. J'ai honte de toi et n'ose plus jamais me toucher. Jamais. Ne fais pas ça. Pourquoi utilises-tu ça contre moi? Oh mon Dieu. Regardez-moi. Regardez-moi. Peut-être j'aurais pas dû faire ça. Regardez-moi. Mon action retourne contre moi. Regardez-moi. Ai-je fait une erreur? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu.
Bébé, je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis celle qui t'en a parlé. Tu ne l'as pas suivi venant de quelqu'un d'autre. Si je te l'avais pas dit, t'allais jamais être au courant jusqu'aujourd'hui. Je te l'ai dit parce que je t'aimais. Parce que je voulais être honnête envers mon époux. Je te l'ai dit parce que je culpabilisais. La culpabilité était de trop que j'ai dû m'ouvrir à toi. Je l'ai fait pour notre famille. Je l'ai fait pour toi. Mais tu l'as utilisé contre moi. Et maintenant, après que je me sois relevée et que j'ai essayé de reconstruire ma vie, tu veux revenir et me la ruiner encore? Non. Mais je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Tout est fini entre Maureen et moi. Je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne d'autre. J'ai tiré une leçon. Et je promets de te rendre encore plus heureuse. Je promets de te rendre heureuse. Je promets que tu seras ma reine. Tu es mon monde actuellement. Tu es tout ce que j'ai. Maureen m'a laissé tomber. Parce que j'ai tout perdu. Oh. J'ai tout perdu. Maureen m'a quitté. Oh mon Dieu! Notre reine, Maureen, qui ne fait rien de mal selon toi, t'a quitté? T'es sérieux? Oui, oui. Mais ça doit être la blague du siècle! Oui, je le sais. Vraiment, elle t'a quitté? Oui, elle m'a quitté. Oh, mais c'est si triste. Et à présent, tu viens ramper devant moi, n'est-ce pas? Oh, désolée, chérie. Mais laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que la même Maureen que t'as utilisée contre moi est la même personne qui a planifié tout ce qui t'est arrivé? Elle a planifié tout ça avec Jim depuis le début pour te ruiner. Mais tu dois continuer à faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire s'en tenir au plan. Ok? Je sais. Allez, bébé, viens, fais-moi un bisou, mon cœur. Allez, fais-moi un bisou. Je comprends, mais je te promets que ça finira bientôt. Mais je suis là, bébé. Vraiment? Eh bien, j'ai dû faire ce qu'il y a de mieux pour moi. J'ai dû rassembler ce que je pouvais, prendre une ou deux choses par-ci par-là pour que je puisse me venir en aide. Ouais. Bébé, je suis désolé, je le jure. Je suis désolé, bébé, s'il te plaît. Je veux qu'on se remette ensemble. S'il te plaît. Tu es mon monde. S'il te plaît, je ne te laisserai plus jamais partir, je te promets. Je promets de me rassurer que tu sois heureuse. Je te jure que j'y veillerai. Notre fils est en Amérique. J'ai promis de dépenser mon argent, notre argent sur lui. Je ne te comprends pas du tout. Attends, donc tu t'attends à ce que j'oublie tout? S'il te plaît. Après tout ce que tu m'as fait? Bébé, s'il te plaît. Sais-tu à quel point tu m'as fait du mal? Bébé. Sais-tu ce que j'ai traversé? Bébé, s'il te plaît. Et maintenant que j'ai pu rassembler tout ce que je pouvais en essayant de reconstruire ma vie? Ok, oui. Laisse-moi te rappeler exactement tes mots. Il y a de cela quelques années, tu disais... Après tout, tu connais comment gagner de l'argent. Par toi-même. Maintenant, j'ai gagné cet argent. Tu veux revenir me le prendre et ruiner ma vie une fois de plus, n'est-ce pas? Non, bébé, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, bébé. S'il te plaît.
dey see the game where you dey play. No be say I be fool, oh. All I'm playing is cool. I no be fool. I dey see the kind of game you play. You can never be wiser than the wisest. Take it cool. A smart will meet a smarter. And smarter will meet a smartest. I know the race is not for the swift. And I know the battle is not for the strong. Oh, wicked war, wicked war. See the game where you dey play.